Normalement tout fonctionne. Et oui, c'est Smash. Man Bob, t'es trop fort. Faites ça toute ma vie. Bref, bonjour tout le monde. À ceux qui sont sur le live un peu en mode YOLO total. En mode je sors un live comme ça me tentait tout simplement de faire une vidéo. Et ça sera sur YouTube en rediffusion tout simplement. Et je vais faire des matchs classés 1v1. Tout simplement parce que j'ai envie de me faire démolir, c'est sûr et certain que c'est ça qui s'est arrivé. Donc vous avez obtenu la caisse de Kéké, tenue de Kéké, c'est trop bien, j'aime le Kéké. Voilà. Et là je pense qu'il y a un petit truc qui est... Non, tout est parfait comme ça. Je pense que juste le son du jeu est un peu trop fort ou peut-être un peu pas assez fort. Je ne sais pas. Je vais regarder. Parce que je sais pas trop si tous les réglages sont parfaitement parfaits. Vu que j'ai changé tout simplement, pas problème de son, c'est pas ça que je veux. Non, non, pas de problème de son. Mélangeur de son, parce que je vais passer à Windows 10 et là je veux juste tout voir si tout est parfait. Faut pas que j'aie des petits problèmes. Donc là j'ai réduit la caméra ici, donc le son devrait être réduit. Normalement je peux le remonter, je crois. Ou attendez, j'ai peut-être une idée, je sais pas si ça va faire la meilleure des trucs. Je vais laisser ça comme ça. On va voir ce que ça donne vite fait. Donc bon. On va se croiser les doigts pour que le son soit parfaitement parfait. Au pire, s'il y a quelque chose, si vous trouvez que mon son de ma voix est trop fort ou si le son du jeu est pas assez fort, vous pouvez me le dire n'importe quand. On va faire les petits changements. Donc, on va se lancer tout de suite dans les matchs en ligne. Et oui, parce qu'on aime bien les matchs en ligne. Deux niveaux et 8 costumes sont disponibles. Fermés, on s'en fout. Ouais. Le genre de DLC que je m'en fous complètement et que je veux pas porter attention. Et de toute façon, je vous en parle un peu. Je risque fort probablement de faire des tournois, tout simplement, parce que les tournois sont arrivés, je crois, il n'y a pas trop longtemps. Donc, je vais garder ça en note, dans ma tête. D'organiser peut-être un tournoi, ça pourrait être sympa en live ou un truc comme ça. On pourrait essayer de s'organiser. Donc, je sais même pas en plus si j'ai assez accès donc concret au tournoi officiel de Super Smash. Ah attends, juste regarder si c'est un tournoi, je pourrais peut-être en participer dans un. Pour être rigolo, on pourrait faire ça. Voir ce que ça donne. Les fameux tournois, en espérant qu'il n'y ait pas trop de lag pour aucune raison. Ce qui m'étonnerait parfois pas trop de Nintendo, hein. Max de lag est toujours aussi plaisante. Mesurez-vous à d'autres joueurs via internet, gagner autant de combats que possible et montrer à tout le monde qui est le meilleur. Donc il existe des tournois dans lesquels vous devez marquer un maximum de points et d'autres où vous devez gagner autant de combats que possible. Donc soit des points ou soit des victoires, ok. Consultez la liste des tournois recommandés ou cherchez un tournoi à rejoindre. Si vous n'en trouvez aucun à votre goût, pourquoi ne pas créer le vôtre? La liste des tournois actuels récents, les tournois auxquels vous participez, choisissant un et sélectionnez le combat pour lancer les hostilités. Un tournoi se termine lorsque les conditions de fin de tournoi sont remplies ou lorsque la date de fin de tournoi est atteinte. C'est alors le moment de consulter le classement de chacun. Bon, ok, c'est parti. Et bonjour Cocomiel. Super Eekling, Smash House, périodique. Qu'est-ce que c'est périodique? Non. À venir, encore 1 minute. Allez, on va aller participer dans ce tournoi. Donc 200 points, une personne 3 minutes. Non, autorisé. Blablabla, participant 8. Participer au tournoi. Trop bien. Je comprends pas trop ce qui est arrivé. Est-ce que je participe ou non? Je ne sais pas. Je suis un peu perdu. Non, je pense que je vais m'organiser des tournois une autre fois. Les tournois là, ça me... Parce que je sais pas s'il faut regarder les matchs, j'ai pas envie de regarder les matchs. Vous avez participé à un tournoi pour la première fois? Ouais, j'ai tellement participé dans le tournoi. Hein. T'as manqué le début, Tonio, je suis pas fier de toi. Hein. Je suis un peu triste dans tout ça. Hein. Donc, pour la gloire, en 1 contre 1, c'est parti. En plus, ma manette Wii U Pro Controller est avec le rouge. Bah, la batterie est... qui est en rouge, qui dit fais attention Mad Bob, tu n'as bientôt plus de batterie. Oh là là, oh là là. Donc Lolo et Lee. Et là moi je vais juste tout simplement mettre mon pseudo parce que j'ai quelques contrôles à changer et je ne sais pas qui jouer. Je vais y aller avec Mart. Vous pouvez me dire dans le chat si vous voulez que je joue certains personnages, je vais pouvoir m'amuser un peu,
C'est pas extrêmement grave si je joue mes meilleurs persos. Dites-moi juste pas Jigglypuff, même si Jigglypuff n'est quand même pas si mal. Ah, ce combat fait partie d'une conquête, nice. Bah c'est cool hein. Ok, ça commence déjà bien les contrôles. Il y a quelques petites pertes de lag, juste pour dire, mais bon, ça reste quand même pas si mal. Ok, on va essayer de se placer. Voilà, là je suis bien parti en ce moment. Pour essayer de reprendre l'avantage sur le match. Il est vraiment agressif comme adversaire, donc je vais essayer peut-être de jouer un petit peu plus défensif. Bon, ok, ça n'a pas trop fonctionné. Comme je dis, ouais, il est vraiment très très agressif. Là, il commence à jouer un petit peu plus défensif. Se concentrer. Ok, ouais, là il a commencé à plus regarder comment je jouais. J'aurais cru l'avoir par la suite. Ok, là il essaie juste de me grab quoi. Buenas tardes, bonjour Valky. Non mais j'ai réussi à l'esquiver quoi. Non mais je l'ai esquivé. Sois tranquille s'il te plaît. Non! J'ai pas réussi à faire le finish him. Non mais sérieux. Tellement des coups de merde que je suis en train de faire. Non mais il va arrêter de me grab comme une merde. Non mais sérieux, je l'ai tapé avant. Non mais ça me saoule ça. Il y a comme des mini lags en ce moment. Ça m'énerve un peu hein. C'est le truc qui m'énerve le plus dans les jeux quand il y a juste des mini micro lags. Non mais j'étais sur le bout de le toucher. Ok. Le pire c'est qu'il est pas si fort que ça. Normalement je pourrais le battre. Non mais. Je peux juste le finish s'il vous plaît. Ce serait genre gentil un jour. Non mais voir que je vais même pas lui enlever une vie. Voilà, merci. Mart c'est en main, non, j'ai pas de main, je joue la plupart du temps en random, donc j'ai vraiment pas de personnage que je maîtrise plus qu'un autre. Et là il m'énerve totalement. Voir que je l'ai. Je pensais que je l'avais tué. Oui, mais juste essayer de me finish comme ça. Non mais non non, je voulais pas esquiver deux fois, non mais sérieux. Non, j'ai pas trop de mains, lol, MDR. T'as un autre micro? Oui, ça fait longtemps que j'ai ce micro, hein. À moins que c'est pas le bon qui a été mis, mais je crois que si, hein. Normalement, oui. J'espère que ça a été le bon. Bonjour, Dark World. GG. Ouais, bravo. Game & Watch pour le prochain match. On va y aller avec Game & Watch. Et vous pariez combien que le mec en face va rester avec Yoshi? La plupart du temps, les gens sont comme ça. Ils gardent toujours le même perso. Ils jouent juste non-stop, toujours le même perso. Regardez, il va jouer Yoshi encore violet. C'est sûr et certain. C'est sûr, c'est écrit dans le ciel. Regardez, ça t'est Yoshi violet. Voilà ce que je dis. Les gens tryhardent. Et c'est ça ce que je trouve ça triste dans un jeu. Amusez-vous au lieu de tryharder comme des espèces de gros porcs de merde. Voilà, meilleure phrase à vie. Arrêtez de tryhard comme des gros porcs de merde. Non mais sérieux, mais voir que mes attaques lui font rien. Et voir le mec grab. C'était évident. Mad Bob devin. Mais oui, devin, hein. Moi, je le sais. Les gens qui jouent dans ce mode de jeu, ça tryhard. Oh, si j'aurais tapé le 9, ça aurait été tellement magique. Non mais pourquoi ma clé devrait le frapper avant? Oui, c'est ça. Vas-y, grab-moi comme une merde. Vas-y, moi j'aime ça aussi les gens qui grabent. Moi aussi je peux grab, regarde. Voilà, je suis trop fort à grab. Wouhou! Mad Bob, professionnel des jeux vidéo. Vas-y, tu essaies de me grab encore? Mais non, t'es nul. T'es nul. J'ai dit que t'étais nul. Voilà, t'as essayé. Oh. Eh oui, c'était la feinte. Ah merde, ça aussi c'était la feinte. Arrêtez de traiter comme des gros porcs de merde, je retiens. Je te dis, c'est la meilleure phrase au monde. Oh oui, Mad Bob, genius, genius. Non mais pourquoi ça devrait le taper avant? Non mais s'il te plaît. Bon, je pense que je vais changer d'adversaire après, c'est pas parce que je suis un mec qui aime pas. C'est juste que
Je sens qu'il y a des micro-lags qui commencent vraiment à m'énerver. C'est genre juste pour dire, hein, c'est vraiment. Vous le voyez peut-être pas, mais moi je le sens juste un peu, hein. Ok, là je suis en train de reprendre l'avantage, je sais pas trop comment que je fais. Non mais j'avais frappé avant! Normalement Mr. Game & Watch est supposé être plus rapide que Yoshi, mais là Yoshi est en train de. Le micro sature un peu, ceci est une excuse. Oui, exact. Fais pas genre. J'aurais plutôt prenez plaisir à arrêter de rage-quit comme des gros porcs de merde. Exactement. Oh oui, attendez, je vais prendre Yoshi violet. Et après, je vais quitter. Chocomiel, tu m'as tellement donné une bonne idée. Hein. Allez, on va lui montrer c'est qui le meilleur Yoshi violet. Voilà. Et si je le bats, ça serait rigolo parce que je suis vraiment nul avec Yoshi. Hein. J'ai vraiment pas de méga talent avec Yoshi. Donc je sens que ça va être juste rigolo. Allez, c'est parti. Combat de Yoshi attardé. Ouais, c'est ça ce que j'ai compris, que Yoshi avait des attaques prioritaires comparé à Game & Watch, mais avant il me semble que Game & Watch avait des attaques prioritaires sur tout le personnage. Allez, on va le troller un peu. Hé, espèce de troll, voilà. Regardez, là, vous voyez qu'il y a des petites micro-lags. Là, vous pouvez pas me dire qu'il n'y en a pas. Regardez, il y en a. C'est lui qui a une connexion merde. Ça me saoule, les gens qui ont des connexions de merde. Je me sens tellement d'attaque pour le battre, ce serait vraiment rigolo hein, que ça l'arrive. Mais ça a l'air tellement triso, genre de combat. Je sais pas pourquoi je vous ai écouté. Eh ouais, attaque la mort qui tue. Hein. Mais putain qu'on a l'air triso en ce moment. Oh voilà, il n'y a plus de mini lag, enfin. Ouais, je suis tellement pas visé avec mon œuf. C'est fou quand même que quand tu joues contre un clone, tu fais tellement de la merde des fois. Tu sais vraiment pas trop comment t'y prendre contre ton propre personnage, puisque t'es tellement habitué de jouer contre un autre personnage que ton propre personnage. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est ça qui s'est arrivé. Et voilà! Et voilà, mesdames et messieurs! Ok. Voilà, moi aussi je suis grab. Oh! Je pensais que je l'avais touché! Non, mais il faut que j'arrête de foncer dessus. Je vais essayer de le grab comme ça, voilà! Je vais montrer c'est qui s'est grab. Mais il arrête! S'il vous plaît! Il y a aucun fun! Aucun fun avec ce genre de mec! Moi j'aime ça quand tu t'amuses à jouer à un jeu, pas de faire ça, ouais ok je fais juste grab, ok c'est trop cool comme jeu. Moi j'aime bien ce jeu des yeux, oui c'est trop bien. Oui trop bien. Le montrer c'est qu'il papa hein. Regarde ouais je le grab, trop bien. Trop bien je suis grab maintenant, waouh. Voir qu'il m'a touché, attendez, hop. Petite feinte, hop. Hop le grab, trop fort. Comment ça je l'ai pas touché? Oh oui, le kill! Plou, 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 plou. Trop fort. Trop fort. Plou, 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 plou. Trop fort. Oh, le kick qu'il m'a fait. Ah oui, là, il a compris que je faisais ça comme ça. Ouais, trop fort. Oh, le petit combo qui vient de me faire. Il se croit fort, hein. Il se croit fort, hein. Il se croit fort. On va garder ça en note. Et il commence à s'énerver, hein. On va le troll un petit peu. Ah, ma batterie. Ma manette. Non. Oui, manette encore de la batterie, hein. Je savais plus comment parler. Bien joué, ça c'est bien joué hein. Oh en plus il me taunte. Et voilà. Voilà, il est un petit peu énervé là, je crois. Faut que je vais le battre à son propre jeu, sérieusement, ça commence à m'étonner hein. Oui, vas-y, fais-moi les grabs de ma vie. Oh yeah, la petite esquive. Ok, allez, je suis en train de me faire remonter un peu. Bon, c'est pas grave. On est juste en train de se donner chacun des coups, chacun notre tour. Hop, la petite feinte. Hop, la feinte. J'adore faire cette feinte. Oh, mais je comprends tellement rien.
En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va essayer le truc. Bon, ok, ça a pas fonctionné. Ah ouais, là, je sais pas ce que j'ai eu dans ma tête. Ouais, pourquoi il a voulu me regrab? Oh! Oh, l'interception qu'il a faite! Oui. Le kill, peut-être? Oui! Non! Allez! Oh, mais s'il te plaît, je vais juste faire ça. Il va penser que je dois faire mon truc. Oh non, oh, une chance qui m'a manqué. Hein. Non! Non! J'ai encore envie. J'ai encore envie. Encore envie. Oh, il commence à utiliser ma technique de B par en bas. Non! Voir. Voir. Tu comprends le truc. Bonjour Tenchu. J'aime pas Yoshi. Alors je vais quitter. On va aller jouer contre des gens plus simples. Voilà. Ça c'est le genre de rage qui est à la Mad Bob. Oh, ouais. L'adversaire est trop fort. On va aller jouer avec un autre. Prends Rob. Rob. Je vais prendre un personnage que je maîtrise un peu bien. Juste pour faire une victoire. Pour me remonter le moral un peu. Et après je vais prendre Rob sans aucun problème. Parce que là en ce moment. C'est un petit peu la tristesse. Je vais y aller avec Link. Parti. Ah ouais, il y avait personne. La personne a quitté. Elle a vu Mad Bob. Elle a fait une... Mad Bob, beaucoup trop fort. Mais que va-t-on faire aujourd'hui en jouant avec Mad Bob? Ah ben non. Ah, joueur 2 qui s'appelle Tofu. Tofu le fou. Tofu est prêt. Prenez plaisir à arrêter de rage-kit comme des gros porcs de merde. C'est ma meilleure phrase de tous les temps. Ah ouais, c'est parti avec Bowser. Regardez, on va juste faire un truc. Est-ce qu'il est fair play? Ouais, fair play. J'aime bien les gens fair play. Voilà. Je sens qu'on va s'amuser avec lui. Non mais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais, je pense que ça paraît que je joue pas tout le temps à Smash. Hein. Il y a des gens qui font. Je tombe sur des gens qui jouent trop souvent, je pense, à Smash. Voilà. Ok, là, il m'a super combo au début. Mais là, il commence à faire strictement de la merde. Hein. Non, là, je suis allé beaucoup trop vite pour rien. Merde. Ok, il aime. C'est exactement ça. Hein. Donc là, si on respecte la suite logique des choses, il va reprendre Bowser. C'est exactement ça. Donc, pour l'énerver un peu, il a quitté. Ok, bon, c'est encore mieux. Get return. on va aller avec Ness Abeille. Est-ce qu'on va gagner un match aujourd'hui? Telle est la question que tout le monde se pose. Moi j'y crois encore. Hein. J'y crois. Dur comme fer. Que je vais pas gagner. Je crois que c'est ça qu'est-ce qui va arriver. Ah ouais, Olimar. Trop bien comme perso. Est-ce qu'il est fair play? Non, il est pas fair play. J'aime pas les gens pas fair play. Ouais, voilà. Moi je suis pas fair play non plus. Hein. J'aime mieux rager comme un gros porc de merde. Ok, mais stop. Mais stop. Mais stop. Les gens sont agressifs dans ce jeu. Je sais pas pourquoi il a fait son... What? Voir qu'il m'a grab... Non mais s'il vous plaît... C'était la petite fin, j'aurais cru que ça aurait pu fonctionner. C'est peut-être ta cause si tu es pas en source. Comme je te dis, le truc, mets en source. Sauf voir, ça va t'aider. S'il te plaît... Non mais s'il vous plaît, il devrait faire vraiment une option, arrêter de pouvoir grab. Je trouve que le grab c'est le truc le plus chiant. Dans Smash, il y a trop de monde qui abuse du grab. Et ça me saoule moi les gens qui abusent du grab. C'est bien de le faire de temps en temps, mais quand c'est tout le temps pour faire un putain de combo, c'est chiant à la longue quoi. C'était tellement con de ma part ce que j'ai fait. À voir que ça fonctionnait. Voilà, bait ma gueule.
Ok, là je suis un petit peu concentré pour espérer peut-être remonter dans le game. Oh oui, non! Si je m'avais agrippé, ça aurait été trop beau! J'aurais pu tellement pris le punish. Les gens sont agressifs dans le jeu. Non, mais ce que je dis par rapport à que les gens sont agressifs, c'est que les derniers matchs que j'ai fait en ligne, ce qui veut dire environ peut-être voilà, un mois et demi, voilà, donc il y a environ un mois et demi, j'ai joué contre des gens et les gens étaient super passifs. Genre, c'était tout le temps moi qui fonçais vers eux et eux ils me fonçaient jamais dessus. Donc j'étais comme, mais ok, c'est quoi les gens arrêtent? Mais là, tout d'un coup, j'ai l'impression que tout le monde est devenu genre à foncer sur l'adversaire et genre être le plus de dégâts possible quoi. Ce qui m'étonne, c'est tout simplement pour ça que je dis que je trouve que les gens sont agressifs. Ah ouais, trop fort! Come on! Bitches! J'essaie peut-être d'enchaîner un petit combo, ça serait cool que je puisse. Non mais il peut arrêter. Non, j'ai manqué le petit combo, je suis triste quand même. J'ai encore manqué le combo que je voulais faire. Mais merde, j'aurais pu l'enchaîner là. Mais c'est pas ce combo que je veux faire. C'est juste ça que je fais depuis. Oh! Pikmin que j'ai renvoyé de l'autre bout du monde. Ok. Mais s'il te plaît, le grab, ça me saoule. Il va me grab encore, regardez, ça semble tellement le grab. Oh! Le petit combo que j'ai fait. Même si c'était nullement voulu. Non, ça j'aurais pas dû faire ça. Tu vas faire des combats avec nous, Matt. Peut-être pas pour ce live, mais autrement, ouais, ça risque fort probablement d'arriver. Non, mais s'il te plaît, lâche le putain de grab. Me saoule les jeux, hein. Mais arrête de grab, s'il te plaît! Et le pire, c'est que je dis d'arrêter de grab, vous savez c'est pourquoi? Parce que je jouais avec mon demi-frère étant plus jeune, et quand on jouait étant plus jeune, ça nous saoulait le grab, et donc on arrêtait juste de se grab. Les deux, on se grabait jamais. Comme ça, on avait la paix et on faisait le combat, quoi. Ah, ça, je savais pas que ça fonctionnait, hein. Putain de Pikmin, quoi. Je vais pas faire la même. Non mais what? J'avais un Pikmin sur moi. Hein. T'as qu'un DLC? Oui exactement, puisque le prix des DLC ça vaut pas la peine. Hein. J'attends des promotions sur les personnages parce que sinon je vais pas les prendre en DLC. Beaucoup trop cher. Je vais quitter parce que j'ai envie de jouer contre une personne qui s'amuse à jouer. Pas qui tryhard. Et j'avoue qu'en 1 contre 1, c'est tellement pas l'endroit pour aller faire ce genre de truc, mais bon, c'est pas grave. Je vais pleurer pendant le long de cette vidéo, j'en ai rien à foutre. Ah, les DLC, personnellement, je suis pas. 1,99$, c'est cher, ouais, pour un costume, ouais, totalement. Moi, personnellement, je trouve ça un peu cher pour. Comme DLC, c'est pas que le travail qui est fait à travers tout ça est nul. C'est juste que je vois pas l'utilité. Car en plus là, il y a des lags de ouf. Non mais s'il te plaît. C'est cool, t'as un personnage que j'ai pas, mais t'as une coup de merde, hein. Sachant que ça va me saouler direct. Quelqu'un qui fait ça, non, ça l'a pas touché ou c'est juste moi qui fous? Ok, mais s'il te plaît, les lags, ça va m'énerver. Hein. Si je joue un match avec des lags comme ça, puis je le gagne, sérieusement, je pense que je joue toujours avec des lags. Ouais, jouant Smash en 2 FPS.
Ouais, il est vraiment nul le mec, et en plus c'est une connexion de merde. Voilà, waouh, j'ai fait un kill. Si tu enlèves les grabs, le shield qui devient pété, si tu veux éviter les grabs, tu peux faire bouclier. Oui, esquive vers le bas, mais c'est parce que je trouve que c'est chiant à faire. C'est chaud à placer, mais je sais pas, je suis pas un grand fan de grabs. Je sais que j'ai peut-être l'air un petit peu râleux là-dessus, mais c'est juste que je suis trop habitué de jouer avec mon demi-frère sans les grabs. Et quand il y a quelqu'un qui abuse des grabs, comme par exemple la technique de Didi, qui utilisait tout simplement le grab en haut, et après par la suite faire le petit combo, je trouvais ça tellement chiant parce que tout le monde fait que ça. C'est ce que j'aime pas des jeux de combat, j'aime ça quand les gens sortent un petit peu des terrains battus, je peux dire de cette façon, et qu'ils essayent certains trucs qu'ils ne font pas d'habitude. Tu sais, c'est comme si je donne, par exemple, je sais pas, dans un MOBA, tu sais que tel personnage est le plus fort et que tu fais tout le temps la même chose avec ce personnage. Donc oui, c'est bien que tu gagnes, mais après un certain temps, je sais pas, c'est plaisant, genre, de faire des combats. C'est pas que ça soit tout calculé déjà d'avance, puis que tu fais, ok, si je fais ça, ben je fais ça, et voilà, il est mort. Je trouve ça juste un peu nul. Et là, waouh. Chez moi, le micro sature à mort. Waouh, j'ai eu le temps d'esquiver son attaque à 8 km à la ronde. Si tu joues avec Mario, perds pas. Ouais, mais en ce moment, c'est pas une question de perdre ou non, hein. C'est une question de. Le mec qui lag à mort, et voilà, je sais pas ce qu'il a voulu faire, en plus il est nul. Waouh. Je vais quitter ce match parce que. J'ai pas envie de rejouer à 2 FPS World. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que le micro sature? C'est pas supposé. Ah oui, si je voulais quitter, hein. Je voulais pas continuer à me battre contre lui. Vous avez pris part à 300 combats, waouh, j'ai trop joué à ce jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ma première victoire en genre quoi? 7 matchs? Trop bien! Ah, c'est Toto. J'ai envie de jouer un truc vraiment pas ce qu'il est. T'as essayé le mode tournoi? Je voulais l'essayer tantôt, j'ai été complètement perdu donc j'ai fait un petit peu. J'ai laissé tomber. Je vais peut-être tester une autre fois et même en organiser un, ça pourrait être sympa. Ah ouais, en plus sur Sonic Heroes. Attends, on va voir si lui il est classe. Ah ouais, tu me grabes toi direct comme ça, hein, sans prétention. Hein. C'est correct, c'est noté, hein. C'est noté, mec. C'est noté, hein. No fun, no games, hein, comme on dit, hein. Ah oui, c'est vrai, il faut que je joue Rob, j'ai oublié. C'est vrai, il utilise la fameuse technique du wannabe, je te grabe du côté. Ce qu'il faut faire contre tous les Little Mac de ce monde. Contre Little Mac, c'est simple, faut se prendre sur le edge et par la suite faut grab. Faut juste le pousser le plus loin possible pour par la suite prendre l'avantage. Donc si tu vois que ton adversaire se met sur l'edge, là j'ai vraiment mal joué. Hein. Donc si tu vois que ton adversaire s'en va sur l'edge, c'est tout simplement de le prendre. Ah, mais. Putain, mais il va me saouler à me grab non-stop. J'avoue que je joue Little Mac, mais c'est pas une raison. Oh non! T'es sérieux? Mais t'es sérieux, mais sérieux. Non, mais s'il te plaît, il va me saouler ce mec, hein. En plus, je peux même pas contrer son grab. Hein. Est-ce qu'il y a redirigé son Falcon Kick? C'est la première fois que je vois ça. Hein. Tu penses que c'est 50% de win rate? Tu parles mon personnage ou tu parles Little Mac? Ouais, tu parles de mon personnage, je parle de Little Mac. Je suis trop intelligent, hein. Je garde ça en note. Les tournois, j'ai essayé d'en faire plusieurs, mais c'est du free for all à 4 et j'ai aucun match en live. Ouais, ok. Ça s'appelle le B-Reverse, Matt. De quoi le B-Reverse? J'ai l'impression que genre c'est du Fox Only destination finale, hein.
Tu peux rediriger ton Falcon Kick en faisant des diagonales, idem pour le recovery de Mario. Ah ouais, première fois que je savais, je pensais que le Falcon Kick allait directement en une direction. Me prenez. Oh oui, c'est vrai, c'est Rob, merde, j'oublie toujours. Désolé, je vais y penser après. Mais putain, les gens arrêtaient de jouer juste un putain de personnage non-stop, please. Truc qui m'énerve le plus. Ouais, salut, moi je sais juste jouer Captain Falcon, moi je joue à un jeu de combat, je prends juste un personnage. Ok, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ça me saoule ce genre de... J'arrête le truc à un contre un, je m'en vais dans des combats juste pour le fun parce que là ça me saoule. Truc qui me saoule le plus. Si un gros pavé de spam apparaît, c'est moi et mon chat qui appuie sur mon clavier. Ça rage quitte, oui ça rage quitte total, hein. Non mais comme je vous dis, ça m'énerve ce genre de truc. C'est comme si tu joues sur LOL. Je connais des gens aussi en plus qui sont comme ça. Par exemple, tu vas sur LOL. Et voilà, on se mâche. Je connais des gens sur des MOBA par exemple qui prennent un personnage. Ils vont jouer ce personnage. Par exemple, ils ont joué 300 matchs dans leur vie. Et 290 matchs, ça sera un seul personnage. Ils vont jamais jouer d'autres personnages parce qu'ils se sont dit, ok, ce personnage-là, je vais le train jusqu'à temps que je devienne trop fort et tout ça. Et oui, c'est bien de le faire, mais après, ça me saoule que tu joues toujours contre le même mec avec le même personnage qui fait tout le temps la même chose contre toi. C'est juste qu'après un certain temps, ça énerve. C'est juste ça. C'est bien de le faire, mais ça l'énerve, c'est tout. C'est juste ça que moi, j'aime pas. Tu sais, par exemple, je donne encore un exemple, quand je jouais avec mes potes, je jouais un personnage, mais après, je m'amusais des fois à reprendre un autre personnage. Et là, ça lag comme ça marre la pute. Oh. Trop bien, les serveurs Nintendo. Vous êtes les meilleurs au monde. Nintendo for the win, hein. J'appelle même plus ça une connexion de Roumain, hein. Moi, j'appelle ça une connexion genre... d'Inuit en Alaska avec un pingouin qui est en train de pédaler pour essayer d'avoir de l'électricité, hein. Waouh. Sérieusement, waouh. J'ai le temps de tout planifier mes mouvements. Je pense que je vais juste rester dans le coin et je vais juste rien faire. Je vais juste taunt. Je pense que j'ai rien de mieux à faire, hein. Ah ouais, il a essayé de me frapper, il a même pas réussi, hein. La balle smash en bas à droite avant la moitié du match. Ah ouais, t'es... C'est quoi tu... Mais sérieusement, vous êtes des oufs sur ce jeu. C'est quoi, vous connaissez tout? Genre, vous êtes les Nostradamus de Smash, c'est quoi? Ça se passe comment? En plus, je me souviens même pas c'est quoi la Final Smash de Rob, tellement que je le joue assez souvent. Lol, je déconne. Vous vous rendez compte que le match serait déjà fini en ce moment? À la vitesse de la connexion qu'il y a en ce moment. Bon, ben quand je joue en 1 contre 1, ben... Ah ok, tu parles des icônes de chargement, ok, j'ai eu peur. Ok, mais vous vous rendez compte? Là, il va vouloir frapper son ulti, va se tasser le plus vite possible, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Ouais, c'est ça. Quand tu veux t'amuser, par exemple, sur une map... normale... En 1v1, bah tu te fais chier. Parce que les gens tryhard. Et après, quand tu veux jouer juste pour le fun, bah le jeu te décède un petit peu trop. Bon, on n'a pas le choix d'attendre la fin du match, hein, c'est encore plus plaisant. Hein. Non, je connais la probable de chaque item spawn sur chaque map selon les alignements de Vénus et de Barack Obama. Ah, bah c'est bien ça. C'est j'adore, hein. Bon, là j'espère juste peut-être avoir ce truc. Comme ça, je vais peut-être pouvoir peut-être gagner un truc. Un cookie, comme cookie quelqu'un. Oh, le temps continue de descendre. Ah ouais, ça a explosé. Ah ouais, explosion encore une fois. Je sais pas trop pourquoi. Michael Bay. Y'a tout le monde sur YouTube vont faire ouais Mad Bob la vidéo quand t'es dans le fight sur la plaine de Xenoblade bah ça lag un peu. Je pense qu'il y a un problème sur ton montage. Ils disent tout ça.
Ah oui, si. Quickscope, moi. Vas-y, 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 vas-y. Ah oui! Le cancel du Quickscope de l'ulti! Doudoudoudoudou! Superman! Bon, ok. Ouais, trop bien, trop bien. Ok, il reste 25 secondes, j'y crois encore. Et je crois qu'après, je vais retourner dans des combats 1 contre 1. Je me sens d'attaque là. Après ce lag, cette expérience de lag, je me sens tellement d'attaque pour faire un truc de la mort qui tue. Regardez, oh le plaise! Le plaise au ralenti! Mad Bob est en feu! Il va lancer le laser, il va peut-être tuer! Oh, le Ganondorf est parti en bas, quoi. No skill, no skill Ganondorf, hein. Je te croyais puissant. Oh merde, oh merde. Il va vouloir faire un. Ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, qu'est-ce que je fais non plus? Oui, Mart m'a touché, mais j'étais tout simplement en période d'invulnérabilité à cause de mon respawn, donc ça fait que je suis pas mort. C'est la magie des temps modernes des jeux vidéo. Bam! Bam! Ah, le 5-4-3-2-1 le plus vite de toute la vie. Suis une fusée. Ah, je vais mourir avant la fin. Je pense que ça donne d'être. J'espère que non. Merci. Bon, mais la partie la plus belle de toute ma vie. Personne n'est mort sauf moi trois fois. Notons le tout. Le kill au ralenti. Tout le monde qui quitte. Ouais, trop bien. Ok, bon. Je me sens d'attaque pour recommencer des 1 contre 1 et je prends pas Rob. Parce que Rob a fait laguer le jeu. C'est de sa faute. Voilà. Ok, on va essayer de trouver qui je peux jouer qui est quand même pas si mal et que je peux peut-être faire quelque chose. Ah ouais, impossible de se connecter à la console de votre partenaire. Gonfinobi. Ouais. Je suis pas un gros fan de Amphinobi, mais pourquoi pas. Ça sent le. Ouais, le gros problème. Bon, on va faire un truc, on va juste quitter ça. Quitter ça. On va revenir. Mais Dracaufeu non plus, je suis pas un grand fan. Ah, en plus, c'est la musique de. De Melly, je me trompe pas. Pédédu, pédébédu, pédébédu, pédédu, pédébédu, pédédu, 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 essaie de fonctionner. Exactement. C'est les choses qui arrivent. Hein. Ouais, j'ai trois vidéos. Wii Fit Trainer. T'es fou avec Wii Fit Trainer. En gros, vous voulez que je prenne des personnages pour que je perds, hein? Vous êtes des ouf. Matt, la vidéo elle lag, je crois que ton montage a foiré. Oh wait, je ne suis pas sur YouTube. Eh non, pas encore. Donc Flacco, Zaratsu. Donc on avait dit Amphinobi, on va le mettre en chiné noir. Et je sais pas si j'ai mis mon nom. J'espère que oui, parce que sinon. Ouais, je l'ai mis, nice. Amphino-wesh, c'est mon personnage de wesh. Ah, Lucas Pigeon. Non, oh, ben, ouf. Non mais, là vous êtes. Vous êtes sérieux que ça l'a pas touché? Non mais s'il te plaît les grabes, arrêtez, mais arrêtez avec vos putains de grabes, j'en peux plus. Ok, je fais tellement des actions que des fois j'ai aucune idée de ce que je fais. Hein. Regardez, oh, ok, là j'ai réussi au moins à l'esquiver, c'est une bonne chose. Mais voir qu'il m'a grab, s'il te plaît. Ok, lui il est quand même fort, hein.
Voilà, espèce de pique et freeze de mon derrière. Non, j'ai pas envie de rejouer contre toi parce que tu vas prendre encore Lucas et j'ai pas envie de me faire encore défoncer par une espèce de mec qui arrive pas de jouer toujours le même personnage. Merci. Ça continue, j'ai tryhard aussi. Tryhard avec mon meilleur perso. Le meilleur perso. Là, je suis sûr de gagner. Dis-moi pas que j'ai Sonic. Non, mais sérieux. Mad Bob en please, exact. Oh, c'est Rob. On va voir si lui il est fair play. Pourquoi je peux plus taunt? Ok, il y a un certain nombre de taunts qu'on peut faire, hein, parce qu'après un certain temps, ça ne faut qu'on se plus. Ça, Sonic, c'est le personnage que sur Brawl j'avais un peu moins de problèmes, mais sur Smash, ben sur celui-ci, je comprends tellement pas comment qu'il joue, hein. Il a dit beau pire. What? Pensais avoir le temps de le punish. Mais non, je n'ai pas eu le temps. Et des fois je fais des trucs avec Sonic que je veux vraiment pas faire, mais que ça le fait, je sais pas trop pourquoi. Oui, il y a Adibou dans Smash, vous savez pas? Non! Je l'ai fait du bon côté, ouais. Oh, je pensais que je l'avais. C'est grab de merde que je fais, hein. Oh, ce coup de pied de Sonic. Vitesse super Sonic. Je pense que je vais dire non pas long. Il va se calmer direct quand je vais lui dire vitesse super Sonic. Nick. Nick, Nick, communique. Oh ouais. Chapeau, chapeau pour Smash. Ouais, trop bien. Il me semble qu'avec Sonic, quand je fais le grab sur le côté. Oh, j'ai voulu essayer. Peut-être lui mettre. Oh oui! Vitesse super. Mais pourquoi mes taunts? Ok, je pense qu'on peut juste faire le taunt à certains moments. Ils ont peut-être fait un patch par rapport à ça. Pourquoi je peux pas le prendre? Sonic, le personnage que je ne comprendrai jamais comment jouer. Ouais, trop bien, on s'amuse à essayer de se grab. Bon. J'aimerais bien que tu rush quittes car tu rush quittes Smash en jouant une personne dans un jeu au rush kit de 2015. What? Pour de vrai? Je sais pas. Bon, si je me trompe pas, j'ai gagné un match sur environ une dizaine. On va continuer. Et là, vous pariez combien? Qui va jouer encore Rob? Ah oh oui, mec. Oh oui, oh. Ah non, c'est un Benny. Benny. Benny, le dernier dinosaure. Étape pour jouer avec Sonic. Avoir les émeraudes du chaos et attaquer le plus vite possible. Bah oui, hein. Logique. Mais s'il n'y a pas de Fire Smash. Ah ouais. Jippy, jippy, jippy.
Oh oui, vas-y, troll avec ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais. What? Je savais pas que ça s'élevait. J'apprends des choses hein, aujourd'hui. Il a pas l'air si fort que ça. Hein. Comparé aux autres adversaires que je me suis battu contre. Ah ouais, ça a quasiment fonctionné ce que je voulais faire. Oh merde. Non, lui, c'est. Mais. Non, pourquoi je fais ça? Ok, je m'en ai même suicidé, mais après j'ai fait. Ok, allez. C'est le temps de faire. La meilleure stratégie de tous les temps. Bon, il ne voulait pas. Est-ce que je jouais? Ouais, je jouais en random, hein. Je viens juste de. Et bim! Et voilà! Et voilà! Non, ok, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est plus qu'une question de temps, hein. Mais je veux. Voilà, plus simple comme ça. Matt qui spamme le B-side. Oui, parce que c'est drôle, humilier quelqu'un comme ça. Et là, je suis heureux, j'ai gagné avec aléatoire. Hein. Faut prendre Wi-Fi Trainer, c'est pour la survie de l'humanité. Sinon, la Terre explosera. Ah, ok, je vais faire un match avec Wi-Fi Trainer. Tout le monde va se calmer. Tout le monde va se calmer. Nul survie. Allez, je prends Wi-Fi traîneuse. L'a pas tué avec le B-side. Non, Matt, t'as déjà joué à One Piece Ultimate Cruise. Si, je crois. Ah oui, il joue encore Mister Game & Watch. On oublie Trailer du Mister Game & Watch. Il faut garder les muscles abdominaux. Il faut rester concentré tout en jouant jeu vidéo. Sentez les muscles du fessier. Il ne faut pas oublier comment utiliser l'attaque soleil. L'attaque soleil est très puissante pour faire des attaques de type soleil. Surtout quand vous voulez frapper votre adversaire. N'oubliez pas de vous concentrer avec vos muscles abdominaux. Toujours aussi important d'utiliser renforcement. Je suis trop forte. Regardez, je fais des soleils. Soleil, soleil. Soleil. Can you feel the sunshine? Le grand étirement. On va tonifier les jambes. Le grand étirement. Je sais que tu peux le faire. Allez Sonic, ça sera une attaque téléguidée. Attention Sonic, une attaque téléguidée. Le grand étirement. Ouh. Voilà, il faut tonifier le fessier. Quand on tonifie le fessier, on devient indestructible. Pfiou, attaque soleil. Pfiou. Il faut faire du hula hoop aussi. Trop bien. Trop bien, elle fait tomber une pomme. Elle fait tomber la pomme. Il faut faire l'attaque soleil. Non, faut pas faire l'attaque soleil, il faut faire l'attaque. Oh, feinte. Oh la feinte. La bob est trop fort au jeu vidéo. Attaque soleil. Oh attends, on va essayer de jouer au volet. Oh, par-dessus. Trop fort. Hop. Je sais même plus comment viser. Allez, smash. Et voilà. Et voilà, Mad Bob. Et voilà, Mad Bob. Le grand étirement. J'ai toujours compris le rang du diamant. Vous sentez vos muscles qui travaillent? Non, je les sens pas. Hein. Je viens de jouer à un jeu vidéo. Bah, se calmer. Vous vous rendez compte que quand je prends les personnages trop nuls, je réussis à gagner. Je comprends pas. Bon, on va continuer avec Random. Hein. Et si je retombe sur Wii Fit Trailer? Ok, je pense que j'aurais pété un câble. Hein. Je te dis, je pense que je serais devenu fou. Hein. Rolfel, tu t'es fait clash.
Ok, je pensais qu'elle allait se suicider, j'étais comme, ouais, trop fort, mec. Ah oui, tu penses que je suis con comme ça, hein. Je te dis, je vais te prendre quand tu vas pas t'en douter. C'est ça ce qu'il faut faire avec cette attaque de merde, voilà. C'est exactement quand tu t'en doutes pas qu'il faut que tu fasses l'attaque. Là, il va vouloir faire son truc. Même pas. Voilà. Petite boule de merde. Le petit grab. La petite feinte. Et voilà. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Ok, mais il est nul. Sérieusement, il est nul. Là, j'avoue que j'ai eu aucun mérite à jouer contre lui. Surtout qu'il m'énerve pas à faire aucun grab. Donc vraiment, il m'énerve pas tant que ça. C'est pas ce que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Ok, mais j'étais pas. Hop. 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 Moi, ouais, c'est pas trop ça que je joue. Ah non, mon arme! Quelque chose qui dit par rapport au perso de Fire Emblem, mais j'ai pas le temps de voir. Ah non! En plus, je comprends tellement pas comment il joue Robin. Robin Lehner, c'est un joueur de hockey. Je sais pas pourquoi je parle de Robin Lehner, je s'en fout complètement. Et hop. Merde. Oh! Oh! Je me suis fait plus ou moins sauver par mon arme. Oh merde, ça aurait été un œuf, j'aurais pleuré ma vie. Hein. Je crois qu'il a réussi à me le grab. Ah merde. Ah merde. Normalement il est mort, non. Il va vouloir me le foutre dessus, voilà. Je savais. Les persos de Fire Emblem ne sont pas trop ragés quand je joue contre eux en online. Ok. Ils sont pas si forts, c'est que tu veux dire? Voir que ça réussit. Robin, c'est tellement mieux que Darren comme nom, j'avoue. Je suis du même avis. Gala, j'espère qu'il va quitter parce que j'ai pas envie encore de perdre contre lui. Triste, 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 tristesse. Prends Peach. Ok, on va y aller avec Peach. Il faut savoir que Peach, c'est le meilleur personnage au monde. Hein. Parce que tu peux juste t'amuser à spam ça. Et c'est vraiment le truc le plus plaisant que tu peux faire avec Speech, c'est spammer le B par côté. Meilleure invention au monde. Je vous dis, c'est vraiment la meilleure invention au monde. Regardez, en gros, tu fais juste dash dessus, tu t'amuses à faire B par côté. Et t'as gagné. Après un certain temps, c'est sûr que t'as gagné. C'est genre impossible, tu ne gagnes pas. Regardez, on va recommencer. Tu fais B par côté, à un moment donné, il va penser que t'arrêtes de faire ton B par côté, mais tu vas continuer à faire B par côté. Je vous dis, ça fonctionne. Ça fonctionne de chez Monsieur Fonctionne. Regardez. B par côté. B par côté. Dash. B par côté. B par côté. Tu recules. B par côté. Tu continues. Voilà. Voilà. Ça va fonctionner. Ok, non, je vais jouer un petit peu plus sérieux. Hein, vous allez voir. Je vous dis, quand même, Peach, je l'aime bien hein, comme perso. Tu peux vraiment t'amuser à faire des trucs rigolos avec. Ok, je pense que le mec est devenu fou. Je pense qu'il a réagi. Voilà. Je vais vous montrer c'est quoi la puissance de Peach. Tu vois le mec qui sait que je suis un putain de troll. Oh! Oh la petite percée! Ah merde, là j'ai pas réussi. Hop! Atcha! 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 Oh le coup de golf! Pas fonctionné. Est-ce qu'il va avoir un coup de tennis? L'attaque tornade. L'attaque hacha. L'attaque parasol. Je sais pas si dans les patchs, vous pouvez me dire, ils ont rajouté des musiques dans le jeu? Non mais le coup de golf, s'il te plaît. Oh oui, le Toad, le fameux, et non le moindre. Ah ouais, là je me suis fait prendre. Hein. C'est bon. Tu peux augmenter le son du jeu, s'il te plaît. Ouais, je vais faire ça après, y'a pas de problème. Parce que je crois que j'étais quand même assez bas. Ouais, si tu as fait la mise à jour. Ouais, ok. C'est ça que je pensais aussi, hein. Parce qu'il y a un de mes amis qui avait mis une musique de. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
Attaque du Todd. Attaque du Radis. Et Hacha. 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 Oh, la fin du Hacha. La feinte du Hacha. La feinte du Hacha. Bitch lap. Le coup de tennis et le Hacha qui a pas fonctionné encore une fois. Pleurons tous le Hacha ensemble. Et voilà le coup de golf. Coup de golf. Bon allez, je vais monter un peu le son du jeu. Voilà. Normalement ça devrait être mieux. Vous avez peut-être entendu un petit ding. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Prendre Luffy, malheureusement il n'y est pas. Oh merde. C'est jouissif. Vous êtes tellement méchant en disant jouissif. On va retourner avec Random. Hein. Prends villageois, ok, on va prendre villageois. Même si c'est habitant. On va mettre celle qui ressemble d'un psychopathe. Je trouve qu'elle habite en rose, c'est celle qui a l'air d'un psychopathe. Elle me fait peur, hein, l'habitant avec psychopathe. Toujours aussi peur. Psychopathe. 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 Oh, attendez, j'ai peut-être une idée. Voilà. Je vais vous montrer la puissance. Ok, on va peut-être montrer la puissance de quelque chose d'autre alors. Non mais... Hé! Hé! Ça s'appelle la feinte ma gueule. Hein. Oh oui, c'est vrai, on peut faire des arbres avec l'habitant, j'ai oublié. Pou pou pou, pou pou, pou pou. Et tu le grabes, tu le lances et tu coupes l'arme. Ah merde. Et tu coupes l'arme. Ok, en plus, il a fait tomber mon bout de bois. Hein. Salut, moi je m'en vais. Hé hé, je suis trop fort au jeu vidéo. Mad Bob m'a toujours dit qu'un jour, je deviendrais le meilleur des habitants. Mais c'est faux. Parce que je suis totalement nul avec l'habitant. Hein. Oui, c'est OP l'arme. Mais le problème, c'est que c'est chaud à placer. Hein. Non, sérieusement, je suis nul avec l'habitant. Parce que je trouve que ces attaques ont trop des petites portées. Je vais voir qui m'a laissé placer ça. Voir que l'arbre l'a touché. Voir que ça. Mais il est nul ou il fait exprès? Attendez, regardez. Trickshot Call of Duty. Ok. What? Okay, on va faire un truc. Voilà. Hop. Ok, ça fonctionne pas trop. On va recommencer. Hop. Deuxième prise. Et boum. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Voilà. Voilà. Trickshot Call of Duty. Hein. Toutes mes défaites que j'ai faites tantôt contre des personnes qui étaient tryhard. Mais là, c'est lui qui tryhard avec une personne qui est complètement nulle. Hein. Et j'étais à 30%. Oui. On passe au jeu sérieux, je prends Chic. Oh, Chic, j'aime pas en plus. Chic, c'est comme Sonic, j'aime pas trop. Hein. La nullité en toute sa splendeur. La mienne ou la leur? C'est toute une question. Hein. Oh, plus c'est Yoshi Story. Touti touti tou. Poupi 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 poupi. Poupi 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 poupi. Ah ouais, je lance mes shurikens de l'autre côté, hein. Genius. Ça c'est simple, en gros, si le gars il met son shield, tu fais juste le grab. Fishtail. Ah ok. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Non mais... S'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Oh shit. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Voir que ça m'a touché.
Voilà, même pas. Dans ce quoi qu'il y a la fête? Ah, elle fait juste serrer son truc quoi. Pourquoi il a sorti son saut? Waouh, quelle esquive! Mr. Game & Watch Show Pro hein. On va essayer de faire un truc hein. Ah oui, bravo, Mad Bob Genius. Genius. Ouais, y'a aucun combo hein. Oh merde, non! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 s'il te plaît. Je pense que c'est la première fois qu'il me tue hein, depuis le début de tous nos matchs hein. Bonjour Zilio. Ouais, trop fort hein. Bon, ok, on va le tuer dans les heures. Ouais, ok. Et voilà. Je suis trop fort. Bah, Babchi qui est un homme ou une femme. Ça a l'air que c'était un homme. Bah, c'est un homme plutôt. Hein. Pas c'était un homme, mais c'est un homme. Voilà. Non, mais. Donc, ça a l'air que c'est ça. Donc, c'est pour ça que je sais pas. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je sais pas comment que les gens font pour placer ce truc, genre tout le temps. Je comprends tellement pas comment ils sont. Ils doivent tellement se pratiquer quand même. Parce que je trouve ça chaud à placer le. Il appelle ça le fishtail ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est ça. Mais que les gens disent que par exemple, je sais que ça serait une femme parce que c'est Zelda. Mais les gens qui se disent qu'elle s'est genre mis en homme pour pas que personne le sache quoi. Ah, ça aurait été beau que j'aie l'œil. Non! Ah, ok, phew. Sérieusement, je vais pas perdre contre cette merde. Je suis un petit peu méchant, mais je vous dis, j'ai pas envie. Non! Tout ce que j'ai à dire, c'est que tout ce que j'ai fait n'était pas prévu. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Chic a une voix de femme avant de se dévoiler à Link des Baclos. Ouais, ou pire, on s'en fout un peu. Hein. Si c'est une femme ou un homme, on s'en fout. Et après, je comprends pas pourquoi vous me dites, est-ce que tu penses que c'est un homme ou une femme? Et après, vous dites que tout c'est une femme. Mais si vous savez tout que c'est une femme, vous avez juste à rien dire. T'as volé à la victoire. Non, je suis pas volé à la victoire. Le mec est nul en face depuis le début. Hein. Oh, il faut que je continue à jouer random. J'ai oublié. Je suis prêt à dire qu'il va jouer encore Mr. Game & Watch. Le mec qui va tryhard toute sa vie avec... Oh, oh. J'avais quasiment envie de me tuer, genre. J'aurais dû faire le mec AFK. Faudrait que j'essaie à un moment donné cette stratégie. Je sais que ça devrait fonctionner. La première stratégie du... Oh là là, je fais semblant que je ne suis pas là, mais je suis ici. Pour vous jouer des mauvais tours. Oh mais... Oh, il a tellement joué avec le feu quand même avec son... Son recovery qu'il a fait. Ah ouais. Mais pourquoi tu réessayes de le renvoyer? Tu sais que je suis en train de le spammer. Tu sais pas de le renvoyer. Non! J'ai fait mes par en haut! Que ça fait rien quand il fait ça. Bon là je vais pas me faire réavoir une autre fois. Voilà, merci. Ça aurait été tellement drôle que je meurs comme un con. S'il te plaît, voilà. Oh merde. Ok,
Que par hasard, c'est la petite toupie qui l'a touché un peu. Voilà, fallait juste attendre le bon moment. Non, c'est pas ça que je voulais. Enfin. Non mais, c'est tout. Falco, que fais-tu aujourd'hui? Je m'amuse à. Ok, voir que le premier coup je l'ai pas réussi. Il veut pas de level justement, il rush quand quelqu'un joue bien. Ouais, si tu veux jouer avec moi RPZ. Non mais c'est pas vraiment que je rush des gens qui spam un joueur, c'est tout ce qui m'énerve. Le spike de Falco est facile à placer. Bah, il y a le spike, si je me trompe pas, sur le côté. Que tu peux bien placer. Tu le trouves comment, Falco? Moi, j'ai l'impression qu'il a besoin de buff. Bof, je sais pas, je suis pas le genre de gars qui joue non-stop à Smash. Hein. En ce moment, je joue à d'autres jeux que Smash, donc je suis pas trop les nerfs, buff et tout ça hein, de personnages. Ah, ouais, il a quitté, je viens juste de voir. De toute façon, je crois faire un ou deux matchs encore et après je vais finir ce live. C'était simplement un petit live comme ça qui va être en rediffusion sur YouTube de toute façon. Oh, c'est le retour de l'habitante. Ah ouais, t'as pris ma flèche toi. Pouvoir prendre mes flèches comme ça quand tu veux hein. Peut-être que je me disais qu'elle allait l'attraper. En plus j'adore cette musique de ce stage. As-tu lancé le boomerang derrière? Il atteste pas qu'elle soit prise mais pas trop fonctionné. Non. Ah oui, il a réussi à prendre ma tournade. T'es sérieux? Matt, tu as réussi à mettre Windows 10? Oui, j'ai réussi à mettre Windows 10. Et en plus, je l'ai mis... parce que j'avais beaucoup de trucs qu'il fallait que je change. Ah oui, le... Animal Crossing qui danse sur cette musique, c'est trop rigolo, quoi. Est-ce que je lui ai vraiment sauté sur la tête? Je sais un truc. Non, non, s'il te plaît. On peut prendre l'éclair avec Pikachu? T'es sérieux? Ah non, je crois pas que ça soit assez. Voilà, il se met tellement dans le trouble. Il s'est vraiment mis dans le trouble. Hein. Oui, c'est possible depuis SSBB de sauter sur la table. Oui, ça, je le savais. Hein. Prenez du plaisir et arrêtez de rush kit. Comme des gros porcs de merde. Non, c'est... Je me souviens plus trop ce que... Ah, le mec est rush kit. Non, on peut sauter sur la tête des gens. Oui, ça, je le savais. Hein. Rem. Joker random. Bon, en ce moment, je m'amuse à jouer random. Comme je vous dis, je l'ai expliqué un peu plus tôt. J'aime pas les gens qui tryhardent un personnage non-stop et tout ça. Donc, j'aime mieux m'amuser, moi, à jouer à random. Et en même temps, ça me pratique certains personnages que je joue pas si souvent que ça. Donc, c'est 2 pour 1. Hein. Peltena. Personnage que j'aime vraiment pas jouer, Peltena. Je sais pas trop pourquoi, hein. C'est sûr qu'elle va vouloir vraiment jouer sur mon sur tous mes projectiles. Donc je vais essayer juste de jouer contact. Réseau contact. Regarde, elle va mettre le truc. Voir que ça l'a pas touché.
Ufek de merde. Allez. Merde, t'as pas le droit de pousser mon cowboy comme ça. Oui, Dokkan, t'es vraiment sympa comme perso. Hein. Il sort un peu de nulle part, mais vraiment sympa comme perso. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai encore ça. Pourquoi je pouvais plus utiliser mon B? What the fuck? C'est comme si elle l'avait touché et je pouvais plus l'utiliser. Je suis vraiment triste. Je vais se faire un... voir que ça se rendait aussi loin que ça. Et voilà. Ah ouais, là je me suis fait vraiment tuer comme une merde. Je pense avoir le temps. Quand même serré comme match, hein. Je suis vraiment concentré sur ce match. Hein. Ce qui est cool avec Dokkan, c'est parce que tu peux jouer sur plusieurs plans. En gros, c'est comme ça qu'il faut que tu joues, c'est que tu fais chier un peu partout. Voilà, elle a mal joué. Je pense avoir le temps, mais non. Lol, depuis que ça marche pas une fois, pour moi ça veut dire que ça va jamais marcher. Tu parles de quoi? Je pense en effet que Dokkan fait chier un peu partout, ouais exactement. Alors, je construis un jeu random. Je vais faire un dernier match et après je vais y aller. Je vais vous laisser là-dessus. Oh non, Payoshi. Payoshi. Oh, en plus c'est Mewtwo. Hein. En plus c'est la musique super triste par rapport à Iwata. Je suis vraiment triste. De finir là-dessus, hein, sérieux. Je n'ai jamais joué à Outbound, mais cette musique, sérieusement, je la trouve tellement classe. Quand même fort avec Mewtwo, hein. Trop prévisible, ça, mais je l'ai quand même réussi. Just do it. Au revoir que je pense avoir le temps. Don't let your dreams be dream. Just do it. Cette vidéo elle est juste épique. Vous vous rendez compte que je parle de cette vidéo juste en avant d'avoir parlé de la mort d'Iwata. C'est quand même triste quoi. Sans scrupule Mad Bob. C'est cool, vous voyez comme là, c'est un match qui a quasiment aucun grab. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Ouais, j'ai réussi à le frapper. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Merde. Dès que je parlais qu'il y avait quasiment pas de grab, faut qu'il me grab. Hein.
Ah, bien joué, bien joué, bien joué. T'aimes pas les grammes? Non, j'aime vraiment pas les grammes. J'en ai parlé assez depuis tantôt, j'aime pas les grammes. Voyez, tu es avec un grab. Et c'est la victoire pour Mewtwo. Bon, on finit sur une défaite. Donc, just do it, finish le live. C'est comme ça que ça va s'appeler. Hein. tout simplement, merci d'avoir regardé ce live juste vite fait comme ça. On est environ une douzaine, treizaine. Treizaine. Nouveau mot, hein. Treizaine. Donc, si vous voulez pas manquer de live, tout simplement, follow ma chaîne Hitbox, ma chaîne Twitter, pas ma chaîne Twitter, mon compte Twitter, tout simplement. J'annonce des fois de faire des lives comme ça. Comme je vous dis, meilleure façon, c'est tout simplement d'aller, par exemple, sur Hitbox, me follow. Vous allez recevoir une notification par mail vous disant, disant tout simplement que il va y avoir un prochain live. Prochain live, combat contre abonnés, peut-être bien. Pour SSB, je pourrais faire peut-être un combat contre les abonnés. Je vais peut-être faire aussi du Mario Kart 8 demain. Ou ce soir, ou peut-être à un moment donné, je sais pas trop. La semaine qui arrive aussi, il va y avoir la continuité de Donkey Kong 64 en Let's Play Live. Donc soyez prêts à voir la petite annonce sur YouTube qui sera pour ça. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé ce live. Je trouve ça sympa, la petite ambiance qu'on a pour les lives juste à l'improviste. Je vais faire, comme je vous dis, d'autres lives sur Smash, d'autres lives sur Mario Kart 8, d'autres lives sur Splatoon. Donc si vous voulez rester à l'affût, followez-moi sur ma chaîne Hitbox tout simplement. Et on se revoit pour de prochains lives. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.